Bonjour, internotatrices et internotateurs. Nous retrouvons le clan du Cygne dans Geldenbourg. Et nous venons d'avoir un nouvel arrivant, Clark, avec son lot potentiel d'emmerde. Un botch. Tant qu'à faire, une autre idéologie. Qu'est-ce qui vaut le père Clark? C'est un bon artiste. Il est pressé, ce qui est plutôt bien, c'est des bonnes stats. Il n'a pas de problème de santé. Franchement, il y a pire. Il y a pire. Qu'est-ce qui... Ouais. Bon, il n'a rien de spécifique sur son... Rien de spécifique en termes d'idéologie. Alors, on va l'équiper plutôt en mêlée, donc ce sera plutôt un soldat. Hop, pas de drogue. Hop. Ouais, non, pas de drogue, c'est pas de drogue, quoi. Hop. C'est encore notre problème. Mais... Pas de drogue, c'est pas de drogue. On évite les addictions. Comme ça. Ok, j'ai un atelier de fabrication à installer. Donc, qu'est-ce que tu nouveau, Clark? Tac, 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 tac. Tac. T'es un dresseur plutôt correct. Un chasseur. Bah non. Du coup. Tu vas être artiste principalement. Une tentative de conversion qui échoue. Forgeron, j'en ai déjà un. Et hop, ok. Clark. Forestier 4. Ouais, c'est pas le perso le plus ouf du monde. Hop. 8, 17, 14. Ok, alors qu'est-ce qu'il va porter comme arme? J'ai un couteau en plastacite qui traîne. Donc ce sera pour toi, l'ami Clark. Hop, équipe-moi ça. Avec tes 4 de mêlée, t'es le moins bon combattant de mêlée. Alors, Mangazor est ok pour faire de la chirurgie, mais c'est pas prévu. Et on va attendre de voir quelles emmerdes ils nous emmènent. Ça va être que du bonheur, je sens. Là, puis il faut aussi que je fasse ça. Tac, tac. Affirmeur à patrouiller. La caravane s'en va. Ok. Ouais, j'ai encore plein de trucs à rapatrier. Gravane marbre. Allez, tac. Ça me fait un peu de tout. Alors, gardien. Gardien était pris au lit avec la mauvaise personne. Bravo. Maintenant il voudrait que. Oh, 17 jours. C'est un grand grain. Super. Ok. Invisibilité, ça fait quoi là? Les sons... Ah, c'est rigolo ça. Bon, je vais essayer de bien m'entendre avec Honor plus 6, c'est bien, mais c'est pas ouf. L'avantage, c'est que lui, il servira à quelque chose. J'ai des chambres en plus. Hop. Allez, boum. Ça
Slade. Ah non, il sert à rien. Merde. Je peux le recruter. Onyx, tu nous fais quoi? Tu transportes. Tac. Ouais, non, il est considéré comme prisonnier, d'accord. Bon, écoute, soit. On prisonne. Tiens, c'est ça dont je peux me débarrasser aussi. Non, tac, du coup, ça je vais réinstaller là avec une vraie chaise. Tac. Donc, Onyx. Tac. Quand tu auras fini. Donne des mutes. De la viande humaine. Mauvais bâton d'Europe. Merde. Alors, j'ai fait un mauvais clic droit. Meute de chasseurs d'hommes. Clark a révélé pourquoi il s'enfuit en voyage, tombé sur un groupe de wargs. De mauvaise humeur, il a provoqué les wargs. Il y en a, ils sont vraiment cons, hein, quand même. Bon, ok. 907 de... Ça devrait le faire. Ils sont combien? 6 wargs. Ouais, ça va le faire. Bon, on va quand même s'assurer que ça le fasse vraiment. Tac. Le Celestie. Allez, j'ai tenté tir. Hop, allez. On va quand même mettre tout le monde sur le... Tac. Histoire surtout d'éviter qu'il se fasse attaquer. Ouais, parce que typiquement, Louri, là... casse-toi. C'est bon. Alors... je veux... Voilà. Toi, là. Toi, là. Toi, là. Toi, là. Toi, là. Voilà. Toi là, même Zikino plutôt là. Je pense que le nombre de tir est meilleur. Brady devant le pilote. Non, ça va être Brady devant le pilote. Juste. Bon, les autres, ils vont se mettre en embuscade ici. Tac et tac. Que ça allait se passer sans problème. Hop. Attends. Allez me terminer ces wargs. Hop là. Non. Ils mourront de même. Ah oui, c'était Pousslevette. Pousslevette. T'en es où? 7,3. Alors du coup, Slade, je peux le... Ah non, résistance 0. Je peux pas le... Tiens, par le plus grand des... Oui. Humeur zéro. Putain. Si quelqu'un lui donnait à bouffer, ce serait pas mal, non? Merci. D'éclair. Bon.
ça va incendier à tout va. Pourquoi est-ce que j'ai une zone... Ah oui, d'accord. On va faire en sorte qu'il aille éteindre tout ça rapidement. Les postes levés étaient vénères. Péter sa table, c'est conne. Hein? Putain, abruti. Bon, il en a encore une. Mais... Hop. Allez, on éteint tout ça. Journée où tu fais pas grand chose d'autre que qu'attendre des flammes mais... et voilà. Paf. Tac. Bon. Ah. Je vais virer, hein. Pas besoin que c'est quand même pas indispensable, en particulier qu'ils aillent nettoyer. En fait, ce qui est pénible c'est que sur les zones de base ils vont ensuite nettoyer. D'œuf peut convertir. Ah. Alors, comme je me souviens jamais d'une fois sur l'autre, on avait essayé de convertir Damnamite. Et ben, on va recommencer sur Damnamite. Super. 7%. Ouh. Trop GG, quoi. Grossiste, bien. Bon. Alors, il reste dans la colonie. La piote. Alors, qu'est-ce que tu veux m'acheter? J'attends un peu de sous. C'est bien. J'ai rien d'horrible. J'ai, si j'ai des trucs médiocres. Hop. Des trucs normaux. Hop. Ça va vite. Est-ce qu'il me reste des trucs en tissu? Bonnet en tissu, tac. Mise en tissu. Tac. Alors, qu'est-ce que je peux t'acheter? Bah, du tissu, typiquement. Et un médicinal, je pense pas que j'en ai vraiment besoin. J'en ai combien des herbes médicinales? J'en ai pas. Si, là, j'en ai 90, ça ira. Tout ça, c'est nul, inintéressant. Des animaux, j'ai ce qu'il me faut. Allez, ouf. J'ai des boulimies.
Pourquoi t'as dormi dans le froid? Il fait pas chaud chaud? Tiens, est-ce qu'il me reste du bois? 195, oui. Je vais peut-être quand même en remettre à couper. Hop. Donc il fait froid dans mes pioles là. Ah oui, il fait pas chaud chaud. 12 degrés. On va peut-être mettre un radiateur de temps en temps quand même. Là, on est à l'automne. C'est légit. J'en ai où des radiateurs? J'en ai combien? J'en ai 6. Alors j'en ai un dans cette pièce. J'en ai un dans cette pièce. Hop. On va mettre un là. Je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un par groupe de trois chambres. Hop. Tac, tiens. Là, je voulais pouvoir décaler. Pourquoi je ne l'ai pas fait ici? Tac. Toi aussi, tu vas me faire des allers-retours, Toshiro. Sache que nous ne t'en voulons pas. Qu'est-ce que c'est ça? Groupe de mécanoïdes. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des vrais saloperies. Alors, hop. Qu'est-ce que tu me réserves comme connerie? Alors, moins 10 de température. On va vite devoir le faire péter. Activateur de compte à rebours, activateur de proximité, module. Par contre, il y a une cellule de puissance instable. Donc ça, c'est bien. C'est à faire péter très rapidement. Hop. Alors. Qu'on va faire, on va faire une zone, définir une zone qui sera, hop, nouvelle zone à éviter. Donc vous allez m'éviter cette zone là. Non, c'est pas cette zone, si c'est ça, c'est le théâtre de proximité, c'est ça. Hop, et on inverse ensuite la zone. Gérer. Voilà. Pim. Mais de toute façon, avec les moins 10 degrés, il va falloir que je fasse péter tout de suite. Je ne peux pas me permettre d'attendre. Louris, bah, ta mitrailleuse, tant pis. Hop. Donc, tac, tac. Ah non, attends, sinon, avant, si, je vais faire un truc quand même. Et que je vais me faire une structure. Des protections histoire ça explose sur quelle zone ici? Alors il faut que je me mette là je sais pas trop si je peux savoir.
Hop. Donc, il faut que je me mette là, à droite de ce petit arbuste. Ici. Ça, c'est quoi? C'est un tour de charge blaster. D'accord. Ok. Donc, s'il vous plaît, vous faites ça en toute urgence. Faites ça. Ah merde. Eh oui, merde, c'est dans la zone à éviter. Bon, il faut que je décale d'un cran en dessous, parce que ça, je pense que c'est bon. Ouais, là, je peux. Tac, 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 tac. Non, c'était annulé que je voulais faire. Tac. Ah, c'est dommage, ça aurait été bien si j'avais eu la bonne idée de partir là. Non. Pourquoi c'est un mec avec 2,11 de. J'ai une vraie mitraillette en termes de construction. J'aimerais quand même bien qu'il s'en occupe. Ok, bon. Le lendemain, c'est la guerre. Arthur! La guerre! Ça va péter. Ouf. J'ai bien des composants. Putain, j'en ai plus beaucoup des composants. Ah oui, mais je sais ce qu'il faut. Et que j'ai toujours pas fait. C'est le fucking atelier de fabrication. 12. Fuck it. Pourquoi est-ce que j'ai la Clark? Tiens, j'en ai un là. De... what the fuck? Je vais installer ça là. Clark, tu vas te mettre là. T'as une vraie chambre et toi, tu te mets. Tac. Et on va démolir tout ça. Tac, tac. Le climatiseur ici. C'est un peu gâché quand même. Tac. Je vais sans doute agrandir, agrandir mon hosto. Maladie animale, grippe. La crise de l'ouvrier est passée, c'est une bonne chose. Et là, du coup, il fait moins 1 degré. Bah oui. Forcément, puisque ça baisse de 10 degrés, c'était ça le prix. Tant que ça descend pas plus bas, normalement, mes plantes, elles tiennent. Les bleus d'eau, il y en est où? 50%, putain. Et les 40 de travail restants, ça me saoule. Bon. Messieurs, dames. Il va être temps de se taper dessus. Enfin, de leur taper dessus, plutôt. Ardarine pour ta punition. Tu n'iras pas observer les nuages. Tu vas me terminer ça, petit con. Hop, voilà. Allez.
À la guerre. À la guerre. Peut-être même pas fait assez. Célestine. Tac. Tac. Bon, tout le monde là. Hop. Bien gentil, mais. Hop. Sur les côtés, ceux qui ont la plus grande portée. Alors, normalement, j'ai placé toutes les distances. Hein. Les cacs maintenant. Et derrière, il va y avoir un faucheur qui va venir m'emmerder. Et hop. Bon, allez, on re-sauvegarde. Parce que bon. Normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Hop. Tirer là-dessus. Vous... Ah toi, tu peux pas. Allez, faut que ça pète, faut que ça pète, faut que ça pète. Voilà, ça va péter. Tac, attaquer, faucheur encore à corps. Bim, bim. Et ben voilà. Elle est pas belle. Hop. Ensuite, il va falloir quand même défoncer. Ah, Onyx a eu le temps de se faire défoncer. Bordel. Bon, ça c'est fait. Alors, il reste les deux tourelles. Donc, tac, Onyx, tu vas aller te soigner tout de suite. Là, il va falloir défoncer ça. Tirer. Toi, j'imagine que tu peux pas aller. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Ah merde, ça explose pour de vrai ça. Dommage. Bien. Clark va te soigner. Hop. Les cags vont se soigner. Et les derniers me défoncent. Tout ça. Hop, et on peut autoriser tout le monde partout. C'est ici. Non, c'est trop. Voilà. Wesh mécanique détruite. Ah, dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de composants. Le grossiste, il va peut-être pouvoir m'en fournir. Donc, transport urgent de tout ça. Non, j'ai fait autoriser. Transport urgent, c'est où? Il y a juste ça qui crame dehors. Tout le reste peut attendre un peu et vous allez me déconstruire tout ça. Hop. Tac, tac. Tac, tac, et puis déconstruire tout ça aussi. Les zones, retirer la zone de base, ça. Papillote, tu vas aller m'appeler le grossiste.
T'as des composants, ça tombe bien, j'en veux. Alors, ceci ne doit plus avoir grand chose, moi, puisque j'ai affilé un tissu. Bonnet en tissu, chemise en tissu, tac. Parc en tissu, tac. Médiocre, j'ai toujours rien. Horrible, rien. Normal. Pantalon fourrure bleu normal, paf. Pierre, hop. Envoie les sous. Je peux t'envoyer du maïs parce que j'en ai quand même vraiment des tonnes. Hop, je vais en garder 1000. Hop. Mes sculptures, je les revends. Ce qui est en cuir, je peux le revendre aussi. Hein. Hop, le cuir de base. Hop, ça fait des sous. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir t'acheter? Qu'est-ce que je vais pouvoir t'acheter? Alors, je pourrais t'acheter un couple de Mufalo. C'est quand même top le Mufalo. Des composants, c'est fait. Médoc. Médoc, j'en ai combien? Ah oui, c'est pas dans ma liste. Je pourrais prendre un peu d'or parce qu'il y a quand même un certain nombre de composants qui ont besoin. Acier. Ouh, j'en ai quasiment plus. Je peux sans doute aller en miner. Il faut que j'aille en rechercher peut-être un peu quand même. Mais parce que j'en ai besoin pour mon truc à composants. Ouais. Plein d'acier. Hop. Hop, ça sera transformé en des trucs utiles de toute façon qui se revendront ensuite. Et pour le reste, ça devrait le faire. Allez, pim. Gros échange. Il me faut de l'acier donc. Opportunité actuelle. Ouais, miner tout ça. Ouais, je manque pas d'acier aux alentours. Moins qu'on puisse dire. Bon, je vais pouvoir faire ça, c'est une très bonne chose. Le cauchemar mécanoïde de Passis. Une demande, un essai, faire diversion. J'aime pas trop faire diversion. Inferno, blaster, bouclier mécanoïde de bas. Un terraformer. Bon, tu sais quoi? Non. Hop. Je vais pas t'aider. C'est pas que je t'aime pas, hein, mais. Tout ça. Ouais, attends, du coup. Pourtant, ouais. Papillette n'est plus inspirée pour le dressage. Ouais, j'aurais pu aller choper un Mufalo. Bien, alors, tâche, je nique des composants, je vais en avoir en permanence au moins 30. Alors, ça, c'est pas du Quality Builder.
X, X. C'était quoi ce bruit-là? Ça fait boum. Et on va essayer de se faire un beau grand toasto. Chef-d'œuvre. Étagère en bois, chef-d'œuvre. Félicitations. Copier les paramètres. Et tout ce qui est là, coller les paramètres. Pam. Et paramètres des liens. Pif, paf, pouf. Hop. Opportunité de fête sauvage, les hommes zénistes. Hop. Faisons une fête sauvage. Elle s'est fait où la fête sauvage? Jubilé. Ah, ça m'a fait stylé. Chef prêt en... Ouais, pas terrible. C'est pas terrible. 40%, c'est vraiment mieux là. Conflit général. Ah non, conflit génial, pardon. Immolation fort. Non mais n'importe quoi. Le tissu de prière, il veut pas me terminer. Hein. Je sais pas pourquoi. Brady, totalement guerrier, formidable. Alors, ça, on démolit un peu. Pourquoi est-ce que ça y est? T'as un truc à l'œil, toi? Ah, t'as un nez bridé. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas les mettre sur une étagère? Ça se voit que t'as un nez bridé. Hein. Un nez bridé. Nourriture, ça fait rare. Crise de boulimie pour Onyx. Aïe. C'est pas le bon plan, ça, quand ton cuisinier se met à faire une crise de boulimie. Mon Gazor, tu veux passer un peu Zikino aussi en extra. Et on va aller à la chasse. Tac, tac, tac. L'alpaga. Hop. Le bouquetin, l'étagne, le sanglier, la lait. Hop. Voilà. Et même si j'étais. Ouais, j'aime bien. Allez, j'adore la chasse au Mufalo. C'est toujours une très très bonne idée. Il n'y a jamais eu de drame. Personne n'a rien vu. On a dit qu'il n'y avait jamais eu de drame. Et donc, on va ensuite réinstaller. Tac. Non, alors il me faut un espace de plus sur le côté. Porte de plus d'ailleurs ici.
nouvelle. Et ben voilà, on peut se le mettre à ennui. Elle manque de type de loisir, méditation. Pourquoi est-ce que le petit fume ne mange pas là? Du calcaire, j'en ai, je vais terminer de faire des murs en calcaire partout et des portes en calcaire partout. Hop, on a dit que c'était du luxe, mais le luxe c'est bien pas. Hop, et puis ça occupe le monde. Il paraît qu'il y en a qui s'ennuient. Est-ce que j'ai des lits qui sont normaux ou qui sont excellents? C'est bon. Vengeance des Mufalo, ben non. On avait dit qu'on voulait pas. Barre-toi, Broudaf. Ah, c'est le drap. C'est moche avec son aiguille foncé. Je savais bien que c'était pas une bonne idée. Roudaf court, mais ils vont plus vite que toi. Non, ça y est. Barre-toi! Mais barre-toi pour de vrai! Ouais, c'est dodge. C'est dodge, mais ça ira pas. Ça ira pas jusqu'au bout. Et voilà, c'est le drame. Devenimite. Hop, des fois que. Barre-toi, Broudaf! Barre-toi, 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 barre-toi. Tu vas te faire défoncer la gueule. Bim, ça y est, c'est fait. Il va falloir y aller, messieurs. Attaquer. Hop. Hop, attaquer. Bon, bah c'est exactement ce que je voulais faire. C'était parfait. Bon, Onyx va te soigner. Zmoy aussi. Brady aussi. Et puis, il va falloir les sauver. Notre ami Broudaf. Récupérer la carabine. Et les autres. Pousse-le-bête, elle a pas d'arme du coup. Une humeur de merde encore. Putain. Sevrage d'alcool à la con, quoi. L'alcoolisme, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Hein. T'es quoi? T'es une bonne tireuse, Pousse-le-bête, quand même. Eh ben. T'es pas ma meilleure tireuse. T'as quoi? T'as 9,79. Et t'as 2 étoiles, bon, ouais, tant pis. 9,79, ouais. Ouais. Fusil à pompe auto, bon. Ah oui, non, t'avais ça, toi. Attends, tu vas t'équiper ça plutôt.
Clark, tu peux te barrer. Où ça arrive? Mais bon. Bon, bah, du coup, je vais avoir de la bouffe. Chasseur n'a pas d'arme à distance. Qu'est-ce qu'il me fout? Pourquoi est-ce que... Ah, t'as pas de lit? Merde. Ah bah si, t'as ça. Hop. Pour les colons. Faut se les mettre. Elle va encore me péter un câble. Un compresseur neural, je vais, ça va être la première à qui je vais faire un compresseur neural parce que non ça ah non attends c'est quoi un compresseur neuronal spacieux ça va manger impressionnant compresseur un compresseur neuronal. Ah, c'est ça, d'accord. Ok. Eh ben, ça viendra après. Ok. Allez, je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu sur cette magnifique chasse au Mufalo. Ça se termine toujours très bien. Sur toutes mes parties, la chasse au Mufalo se termine très bien. J'adore. Allez, des bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi des mots d'amour. Et à très bientôt.